merci d'être venus si nombreux. Donc, je vous fais une petite présentation de Pix quand même, parce que c'est quand même eux qui louent l'emplacement et qui m'emploient accessoirement. Pix, c'est une entreprise de conseil qui est présente à Paris, à Lyon, à Aix-en-Provence et à Reims. On est présent sur plusieurs types de métiers, des métiers d'IT essentiellement, des devs, des ingénieurs qui bossent sur de l'embarqué, sur de l'IoT, et également de plus en plus sur des métiers produits, donc des product owners, des scrum masters, et sur la partie data également. Donc moi je suis team leader pour Paris, sur les métiers produits justement, et data. Et donc Pix, c'est géré par deux mains de maître, par Fabrice, qui est ici présent. Et Pix Paris est co-dirigé par Delphine, que vous avez vu à l'entrée, Nicolas, qui va arriver un petit peu plus tard, et moi-même. Je vais laisser la parole à Malik, qui est consultant chez nous. Bonjour Malik, oui, salut. Donc, je suis aussi consultant, product owner chez M6 en ce moment en mission, depuis 2 ans et demi, donc j'imagine qu'ils me font redoubler une classe. Et on va parler d'Agile et des tendances 2019, comment s'y repérer dans ce panorama qui est de plus en plus chargé et qui peut sembler parfois confus. Alors, il y a un petit disclaimer avant. Alors déjà, outre le fait que je suis mort de trouille, même si vous avez des têtes de gentil, c'est la première fois que je déroule cette presse. Et pour rien vous cacher, je l'ai pas fini de bonne heure. Alors, j'ai l'idée de faire cette présentation en lisant un rapport annuel, que je ne sais pas si vous le connaissez, State of Agile. Il y en a qui le connaissent, non ? Sérieux ? Bon. C'est un rapport qui sort tous les ans, qui est le fruit d'un grand sondage, dont on peut discuter un peu les modalités. Là, c'est mon côté data qui ressort, il y a peut-être quelques biais, mais bon, c'est quand même riche d'enseignements. Et donc chaque année, ça donne lieu à de nombreux articles, commentaires, pour pas dire trolls infinis. Dont je me suis inspiré, mais pas que. Il y a aussi d'autres études sur le même thème qui sortent régulièrement. C'est aussi le... Je vous laisse applaudir Delphine quand elle rentre. C'est par là. Une ovation pour Delphine, s'il vous plaît. Donc cette présentation, c'est aussi le fruit d'échanges avec différents membres de diverses communautés. Quand on se rend sur des événements, etc., on parle beaucoup entre nous, j'imagine que vous le faites également. Et enfin, elle doit beaucoup aux échanges que j'ai avec mes collègues, dont certains sont venus, merci à eux. Vous allez reconnaître beaucoup de phrases que vous avez entendues dans le jardin ou à la machine à café, ça, soyez pas surpris. Donc merci à vous. Et évidemment, c'est complètement partial. C'est pas du tout la vérité absolue. C'est ce que je pense moi. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, ça fera que nourrir mon ego et peut-être ça nuira sans doute même à la qualité des échanges après. Mais normalement, vous devriez avoir des trucs à redire parce qu'il y a beaucoup de trolls dans la presse. Alors, on attaque. Le panorama agile aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il est chargé. Et heureusement, il y a des gens très intelligents chez Deloitte. Il y en a qui travaillent chez Deloitte ici ou pas ? Non ? On peut balancer un peu alors. Ok. Et donc, avec l'esprit d'exhaustivité qui les caractérise, quand ils cherchent à comprendre un sujet, ils font des maps. Alors au début, elle me faisait peur, et
après m'a fait marrer. Et maintenant, en fait, c'est pas si nul que ça, parce que elle a le mérite quand même d'expliquer un petit peu, si on gratte bien, quelques problématiques. Et on voit que voilà, plus ça passe, plus il y en a. C'est parti du delivery et ça s'étend un petit peu partout dans tous les domaines de l'innovation, voire même de l'orga. C'est pas trop pénible la voix qui change. Non. Sinon vous criez. Merci. Alors, pourquoi il y a autant de pratiques, de framework, de tout ce que vous voulez, c'est parce que déjà, on a eu 5 révélations, en fait, depuis l'apparition d'Agile. Pour beaucoup, vous êtes déjà des praticiens, des convaincus, mais les managers au-dessus de vous ne le sont pas forcément. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que devenir agile, c'est plus une option. C'est pas, c'est en fait, c'est une nécessité. On vit dans un environnement technologique où on doit s'adapter ou mourir. Alors bon, c'est un peu anxiogène comme façon de parler, mais c'est quand même pas loin de la réalité. Et donc, si on veut innover, si on veut s'adapter au marché et à l'environnement économique. Eh ben, on n'a plus trop le choix, en fait. Il faut aller vers des pratiques, des modes de fonctionnement, des approches qui sont agiles. Donc ça, c'est un premier enjeu de culture, on va dire. En deuxième lieu, c'est bien de vouloir devenir agile, c'est bien de vouloir s'adapter, de considérer que c'est une option, qu'on est obligé de le faire. Mais malheureusement, ça ne répond pas à une injonction. C'est pas, il ne suffit pas de dire « Demain, les gars, on bosse en agile et on va survivre ». C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça demande, outre une volonté exprimée des managers, ça demande des qualités de leadership qui sont indispensables à toute transformation. Ça, on l'avait vécu avec les transformations digitales avant. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et donc ça pose la question du leadership et ça rend cette qualité indispensable. Devenir agile, c'est pas le monopole des startups. On a longtemps considéré que être agile, c'était commencer un truc dans son garage, avoir une organisation qui était flat. C'est pas que ça, c'est maintenant les grosses boîtes, enfin, d'ailleurs les petites qui sont devenues grandes, ont eu des défis d'organisation à relever. Quand on peut parler de Microsoft ou d'Apple, c'est des problématiques qu'elles ont rencontrées. Et donc le scaling de l'approche agile, c'est un vrai sujet qu'on peut pas occulter. Et qui, on va le voir un peu plus tard, qui pose pas mal de problèmes dans son approche et qui pose aussi pas mal de limites en termes de mindset. Mais là, je suis en train de spoiler, donc je passe à la suite. Devenir agile, c'est plus le monopole de la tech ou de l'IT. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, pour innover, c'est pas que de la tech, c'est des équipes produits, c'est des équipes marketing. Et même au-delà de ça, on va le voir aussi un petit peu plus tard, l'agilité doit s'étendre un petit peu partout, même dans les fonctions support, les ressources humaines, la compta, enfin tout ce qui vous fait rêver, j'en doute pas. Et enfin, en termes de coaching, alors ça rejoint un petit peu ça, mais ça nécessite de l'accompagnement. Dès lors qu'on touche non seulement à des process, mais aussi à de l'humain, à une façon de travailler, j'entends pas bien du coup. Donc dès qu'on touche à de l'humain et qu'on commence à changer les gens, et ben ça prend du temps, c'est parfois traumatisant pour certains. J'ai
j'imagine que parmi vous, il y en a qui ont rencontré ce genre de situation avec des collègues qui ne vivaient pas trop bien ce genre de transformation. Et maintenant, il est quand même bien admis qu'une transformation agile demande de l'accompagnement. Et on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc plein de pratiques. Et pourquoi il y en a autant? Ben voilà, parce que déjà, il y a ces cinq challenges. Alors quand on plonge dans l'étude, dans les petites métriques, alors je ne vous les sers pas toutes parce que sinon on ne prendra jamais l'apéro après. J'ai choisi quelques métriques clés. Et les premières, c'est les raisons qui font que les entreprises adoptent une approche agile. Donc c'est ce qui leur fait faire le pas, faire le premier pas en fait. Et du coup, alors je sais pas si vous voulez peut-être pas, du coup je vais peut-être vous lire, mais donc là vous avez toute une liste de raisons, accélérer le delivery, avoir la possibilité de changer des priorités, accroître la productivité. Alors, là vous avez le droit d'avoir des petits frissons. Améliorer l'alignement entre business et l'IT, augmenter la prédictabilité du delivery, les coûts, and so on, le risque, enfin réduire les risques. Une raison rassurante qui augmente d'année en année, c'est quand même augmenter le moral des troupes. C'est quand même bien que ça devienne dans les top raisons. La maintenabilité du code et la gestion des équipes distribuées. Alors, c'est jeté un petit peu fourre-tout, un petit peu pêle-mêle comme ça, et les gens qui répondaient à l'étude avaient le droit de choisir plusieurs thèmes. Mais ce qu'on peut voir, c'est que déjà, quand on adopte l'agile, on a entre productivité, prédictabilité, coût, déjà des dimensions dont on sent bien qu'elles viennent de l'ancien monde quand même. Et donc ce qui serait intéressant de voir, c'est une fois qu'elles ont adopté l'agile pour ces raisons, quels bénéfices elles en ont retiré. Donc c'est la question qui suit, et sur les bénéfices de l'agile. Et là, on voit que la prédictabilité qui était assez haute, elle est assez basse, là. La productivité, elle est là, alors que c'était dans le top 3. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que la réduction des coûts, elle est en dernier. Donc ça, c'est un peu une bonne nouvelle pour nous, agilistes. C'est que, déjà, les gens admettent que quand ils entament une transformation agile, parmi les bénéfices qu'ils en tirent, ce n'était pas forcément ceux qui étaient attendus. Et par contre, il y a d'autres critères, d'autres bénéfices qui arrivent en top list et qui apportent vraiment beaucoup de la valeur. Donc déjà l'alignement, donc ça c'est assez évident. Le moral des troupes qui est en quatrième position. La visibilité projet, directement liée aux notions de transparence agile en deuxième position. Et enfin, la possibilité de changer facilement les priorités. Donc ça, enfin moi, j'ai trouvé ça aussi rassurant. Ça m'aurait franchement embêté de voir que, en fait, quand on fait une transformation agile, on gagne en productivité, en réduction des coûts, etc. quoi. Alors ça, on va passer rapidement parce qu'on va parler beaucoup de framework et de pratique, mais bon, c'est, sans surprise, c'est Scrum qui est majoritaire, même si ça diminue un petit peu. Alors c'est normal, parce que quand on entame une démarche agile, on commence par un framework qui est documenté, qui est très largement adopté, on fait pas trop dans la nouveauté. Donc c'est un peu la porte d'entrée dans l'agile. Donc c'est un peu normal que... Donc là, je dis que ça baisse un petit peu, mais de temps en temps, ça remonte. Mais en fait, ça veut juste dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui entament une transformation. Donc c'est ultra majoritaire. Et un truc un petit peu plus bizarre, c'est les démarches un peu hybrides.
dont on sait maintenant, avec le recul, que la plupart du temps, elle ne marche pas. Alors, on adopte l'agile pour des raisons, on en tire des bénéfices, on adopte des frameworks, etc. Mais comment on sait qu'on a réussi ou qu'on a raté? Et quand on interroge les entreprises de l'étude, alors ça aussi c'est rassurant, c'est que la première raison, c'est la satisfaction du user ou du client. Donc ils ont les boîtes maintenant sont suffisamment matures pour mesurer le succès de leur façon de travailler. En prenant en compte la dimension, en étant user-centrique, et sortir des calculs financiers ou d'indicateurs un peu sinistres de delivery, en nombre de releases. On sort du côté glauque pour vraiment une raison proche de la raison d'être de l'agile, c'est-à-dire la satisfaction client. Tout de suite après, business value. Vous bossez tous dans l'agile, votre boulot, pour la plupart d'entre vous, c'est d'apporter de la valeur, qu'elle soit business ou user-centrique, mais donc pas de surprise, c'est rassurant. Le delivery à l'heure, bon, je ne sais pas si on doit bien prendre ou mal le prendre. Qualité, ça c'est plutôt bien. Productivité, là après on a quand même des gens qui mesurent la productivité, la prédictabilité, l'amélioration des process. J'aurai toujours une moue de dégoût quand je parlerai de process. Visibilité projet et périmètre. Donc en fait, les dimensions classiques d'un projet, justement, donc le périmètre, le TTM et aidez-moi. Il n'y a pas un qui suit, c'est pas vrai ça. Akima, le coup, ok. Lui, il n'est pas dedans. C'est pour ça. Ok, donc ces dimensions-là, les dimensions traditionnelles, en fait, elles sont en fait pas si sous surveillance que ça. C'est bientôt la fin des métriques, hein, je vous rassure. Les frameworks de scaling, donc là, c'est sans surprise, c'est comme tout à l'heure. En scaling, c'est Safe qui est ultra majoritaire. Il y en a parmi vous qui bossent en Safe? Non? C'est pour ça que vous avez des bonnes bouilles, en fait. Il n'y a pas de dépressif, en fait. D'accord. Donc, Safe, pourquoi? Parce que, déjà, c'est le framework qui permet de scaler des équipes très, 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 très fournies, plusieurs milliers, parfois, de personnes. C'est ultra documenté, c'est très marketé. Il y a plein de consultants... qui gagnent pas mal de sous en déployant et en conseillant ce framework. Donc voilà, c'est un succès commercial. Après, est-ce que c'est un succès tout court? J'en doute et on va voir que... En tout cas, je vais essayer de vous mettre dans le crâne que non. Après, bon, les autres frameworks, on a du Scrum de Scrum, Alors, discipline d'Agile Delivery, là, je ne connaissais pas. Du LES, évidemment. Truc rigolo, il y a du Spotify Model. Donc Spotify Model qui est... Bon, en fait, c'est pas un modèle, mais bon. Et Nexus qui est minoritaire. Mais bon, ça, c'est pas surprenant. Voilà. Petite parenthèse sur la partie DevOps. Ça aussi, c'est plus une option, en fait. Grosso modo, deux tiers des entreprises interrogées ont planifié une initiative DevOps, ou alors elles en ont une en cours. Donc ça va faire partie, ça fait partie maintenant quasiment des must-have de toutes les équipes, quoi. Alors une fois qu'on a déployé, on a choisi des pratiques, des méthodes, des frameworks, etc. On entame, on mesure les résultats de ce qu'on déploie.
c'est quoi les plus grosses difficultés rencontrées? Alors, ça, j'espère que tout à l'heure, dans la question-réponse, vous pourrez amender cette partie-là. Mais ce qui revient le plus souvent, donc on a les problèmes de culture, les problèmes organisationnels, les problèmes de culture avec les valeurs agiles, la résistance au changement, ça je pense que rien que ça on peut faire 4 confs, un management inadéquat, le manque d'expérience dans l'agile, l'inconstance des pratiques et des process parmi les équipes. Beaucoup de ça, par contre, ça c'est un truc qu'on rencontre quand même très souvent, même dans les boîtes assez matures, c'est que d'une équipe à l'autre, les pratiques sont souvent très différentes. Le manque de training et d'éducation, de formation, quoi. Donc ça, c'est le challenge. Enfin, on pourrait parler des difficultés en général de l'entreprise. Je pense que la partie training et formation, elle reviendrait tout le temps. C'est un peu plus... C'est un petit peu plus flou, mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'on est quand même beaucoup... On a adopté l'agile pour des questions de... en se posant souvent des bonnes questions, et en fait, on se retrouve en face d'enjeux qui sont pour la plupart culturels, managériaux ou organisationnels. Alors du coup, si on reprend les dimensions qu'on a évoquées tout à l'heure, avec nos 5 révélations, elles viennent 5 problèmes. C'est que sur la partie culture, en fait, en adoptant des frameworks et en ouvrant un livre et en se disant maintenant on va faire comme ça, on suit, on fait des, on anime des rituels, on voue un culte à des artefacts, un backlog, on regarde le burn down chart et tout, on fait tout bien, mais voilà, on fait de l'agile, mais on ne l'est pas forcément. Donc ça, vous avez sans doute lu des milliards d'articles sur le sujet. Aujourd'hui, en 2019, ça reste quand même une question très très présente dans pas mal d'organisations, y compris les plus innovantes. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui faisaient tout bien, qui ont scalé, qui au lieu d'accompagner, ont rajouté une couche de management, et bim, on se retrouve à nouveau dans ce problème-là. Sur la dimension leadership, c'est cette confusion qu'il y a entre leader et manager. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des managers qui résistent beaucoup. De l'autre côté, il y a des enthousiastes qui deviennent anti-managers et pour qui tous les managers ne servent plus à rien et il faut s'en affranchir, etc. Ce qui est l'excès inverse. Et une vision confuse de ce qu'est le leadership qui s'auto-déclare, en fait, c'est une démarche individuelle. Et en fait, une attente, c'est des gens souvent d'être désignés leader alors qu'ils doivent le devenir. Donc ça pose quand même plein de questions. On a, dans toutes les boîtes, et surtout sur les sujets de transformation, on a quand même besoin de managers, sans doute des managers différents, sans doute des managers leaders. On a besoin. En plus, je dis ça, j'étais devant mon manager, donc j'ai intérêt à faire gaffe. Je suis plutôt d'accord. Comment ? Je suis plutôt d'accord. Bah, tu m'étonnes. Donc voilà, la confusion d'un rôle et d'une qualité, quoi. Au niveau du scaling, on a parlé de SAFe tout à l'heure, donc une démarche de scaling agile qui est très processée, très contrôlée. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les équipes, en fait, on leur demande pas du tout de changer de mindset. En fait, on change un peu le logiciel, mais les gens qui travaillent, ils ont la même chose dans la tête, ils continuent très souvent. Alors, il y a des raccourcis, hein.
Il y a des fois où ça marche, mais il continue quand même à être souvent dans une position d'exécutant qui va être contrôlé à un moment ou à un autre. Donc en fait, c'est l'équilibre entre les process et le mindset. Donc ça, ça pose des limites. Et c'est pareil pour l'extension agile dans les autres domaines que l'IT. Et ça, c'est pour une raison beaucoup plus simple, c'est que mener une transformation agile dans un département marketing, dans un département métier, quel qu'il soit, eh ben, c'est souvent fait après l'IT, donc c'est pas le même niveau de maturité. Et demander à des gens qui sortent d'écoles de commerce, qui sont marqués à fond, qui ont eu un parcours éducatif essentiellement basé sur la compétition, et où ton pire ennemi, c'est le mec qui est à côté de toi, lui faire avoir un mindset agile, qu'on abordera plus en détail tout à l'heure, où on est collaboratif, transparent, et où on doit avoir une communication quand même assez débridée, ça les change beaucoup. Donc certains, la plupart, le font bien, mais pareil, souvent, ça nécessite de l'accompagnement. Et donc, c'est la vision qu'on a de cet accompagnement, du coaching, entre prendre un coach pour déployer un framework ou une méthode. Donc le mec, il connaît qu'une méthode, et il va l'appliquer parce que c'est ça la solution. Donc c'est quand même dans une démarche qui n'est pas faite pour le mec qui a un marteau, tout ressemble à un clou, quoi. Et en face de ça, une vision quand même beaucoup plus personnalisée du support, parce qu'on est dans l'humain et qu'on a beau travailler dans la tech, au bout du bout du bout, c'est des mecs qui codent. Hein. Donc voilà, 5 trolls infinis, et ça on en a encore pour des années. Hein. Et on n'a pas fini d'en parler, donc peut-être quand je ferai Agile en 2020, peut-être que je ne le ferai pas parce qu'on se dira les mêmes choses en fait. Alors les évolutions. Alors pour ça, on va s'aider de cette fameuse courbe d'adoption de Geoffrey Moore. Vous la connaissez toutes, non? Oui, non? Monsieur Toinen, oui. Donc pour l'expliquer brièvement, on peut la faire avec l'exemple de l'iPhone, donc en parlant d'une courbe d'adoption produit, on va dire. Et donc Apple sort l'iPhone, et les premiers qui vont avoir l'iPhone, c'est les 2,5% d'innovators. Donc eux, en fait, ce qui les intéresse, c'est la nouveauté. Et dès qu'il y a un truc nouveau, ils vont se jeter dessus, ils sont enthousiastes, ils font la queue devant l'Apple Store la nuit qui précède, et ils achètent le premier iPhone. Une fois qu'ils ont bien crâné au boulot ou à l'école avec leur téléphone, il y a les early adopters qui disent quand même c'est cool, ce téléphone avec l'écran et les trucs comme ça. Là. Ça c'est vachement bien, je vais m'en prendre un aussi. Donc ils sont une proportion un petit peu plus grande. Et là, on rencontre Chasm, donc c'est une sorte de point de rupture qu'il faut combler rapidement quand on développe un produit. Et en fait, c'est quand, par exemple, quand on va le voir un petit peu plus loin en prenant l'exemple d'une start-up, mais une start-up, au début, elle va faire des tests et des expérimentations. Ensuite, elle va avoir sa phase de product market fit. En général, on a ce stade-là, c'est-à-dire que le produit innovant qu'on développe rencontre son marché. Et ça se passe plutôt bien. Et après, il faut scaler. Et c'est là que ça devient compliqué. Et donc, on a cette early majority qui, elle, va être bien disposée à acheter cet iPhone, mais qui va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut quand même la stimuler. Il faut quand même qu'il y ait de la pub, qu'il y ait de la promo, etc. Et alors pendant ce temps-là, le traînard, là, lui, il n'a toujours pas compris. Il dit, bah non, alors moi, l'iPhone, là, n'importe quoi, ce truc. Moi, j'ai un 3310, il marche très bien, il n'est pas cassé, je ne vois pas pourquoi je changerais. Donc lui, quand il aura son iPhone 3, quand eux, ils auront le 5,
et parce que quelqu'un lui a donné et que il trouve plus 33 disques, quoi, il n'y en a plus dans les magasins. Donc voilà, que ce point de bascule, donc ça c'est un peu le... Voilà, c'est la courbe d'adoption de Geoffrey Moore qui fait un peu autorité. Alors c'est facile à comprendre avec l'iPhone, avec l'Agile c'est un peu plus difficile, parce qu'on parle de pratique, c'est de l'humain, c'est le côté promotion, etc., bon, il n'est pas très présent, donc c'est un petit peu plus compliqué. Toutefois, dans toutes les pratiques que vous avez vues tout à l'heure là, sur le plan de métro, il y en a qui sont en perte de vitesse, d'autres qui sont qui ont un petit peu plus de traction. Et ce qui serait bien de savoir, c'est qui utilise quoi en fait. Et si on fait l'exercice, c'est là que ça devient. Alors, ça devient assez partial, mais j'ai été aidé quand même. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout, c'est que c'est. Vous lisez ça, InfoQ ? Ouais, c'est obligatoire hein, dans vos métiers. Franchement, c'est. C'est une mine d'infos. Et donc, eux, ils ne s'intéressent même pas aux traînards, aux lagards. Et d'ailleurs, nous non plus, on s'en fout. On n'en parlera pas. Et donc, on voit que, donc, eux, ils ont, sur InfoQ, ils ont, à la suite de l'étude qu'on a évoquée tout à l'heure, ils ont fait un petit peu leur ventilation en fonction. De l'étude, mais aussi de ce que disent les lecteurs engagés chez eux, ceux qui commentent, etc. Et donc là, vous ne voyez rien, mais on va voir un petit peu plus en détail après. On va commencer tout de suite. Donc, eux, on a dit qu'on ne voulait pas. Donc, eux, c'est eux. Hein, là. Eux, ils ne nous intéressent pas. En fait, eux, ils font du waterfall, du cycle en V, de l'hybride. Par contre, ils ont bien pensé à renommer le chef de projet fonctionnel en product owner. Ils ne parlent plus de cahier des charges, ils parlent de backlog quand même. Et ils ont fait une petite valse des étiquettes. Donc, quand ils sortent au resto et qu'ils discutent avec leurs potes, ils n'ont pas l'air trop cons. Mais en pratique, c'est pas ça. Les conservateurs, sans surprise, c'est les gros frameworks. Regardez-moi cette merveille. On sent que quand on met ça, ça doit rouler, quoi. On sent que il n'y a rien pour freiner le rythme de l'innovation, quoi. On peut tester, on peut faire plein de trucs. On sent que les mecs doivent être super libérés. Bon, là encore, je fais une mariole, mais si demain vous avez 2000 devs, il y a peut-être 2-3 trucs à piocher quand même. Less, bon ça c'est un Less, c'est la version, c'est une version de scaling qui est un petit peu moins pesante que ça. Scrum, toutefois, qui reste le framework, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est, c'est la porte d'entrée dans l'agile. Donc ça fait un moment que c'est utilisé, et donc maintenant, même les conservateurs de l'agile, ils restent sur Scrum, ils n'ont pas évolué vers d'autres pratiques. Et pourquoi les glaces ? Donc ça c'est Vanilla Agile, là c'est les mecs, ils ont acheté un livre et ils sortent pas de ce qu'il y a du livre. Ça peut être Kanban, ça peut être Scrum, mais il y a le livre, il faut autorité, c'est la démarche un peu ayatolesque. Là encore, je troll un peu, mais voilà, ça c'est un peu les conservateurs. Donc là, il y a comme par hasard que des frameworks. L'early majority, donc là on commence à être dans le beau monde, hein, là c'est vraiment sympa. Et parmi tout ce qui a été évoqué, j'en ai retenu trois parce que c'est celles qui me tiennent le plus à cœur. T'as vu ? C'est là. Donc c'est le software craftsmanship, à part mon goût qu'il a eu. Domain driven development et pareil, j'aime pas dire le mot anglais pour behavioral, c'est ça? Domain, ouais. Donc ça, c'est dans l'early majority, mais quand on est dans la tech, ça devient presque mainstream en fait. Hein.
Donc ça, c'est quand même très rassurant. C'est trois. Alors pour expliquer brièvement, c'est des bonnes pratiques. C'est des bonnes pratiques de développement qui se généralisent et qui maintenant font autorité et qui sont adoptées avec enthousiasme en général par les équipes de dev parce que ça les sort de leur rôle d'exécutant le plus souvent. Ils ont un ownership du code qui est assumé et ils ont ce côté. Enfin, ils vont maintenir leur code dans le temps et donc en assurer dans le temps la continuité. Enfin, c'est pas, y a le côté de, y a la maintenabilité du code qui est prise en compte. Je vais y arriver. Donc là, on est dans le domaine des bonnes pratiques et pas étonnant que du coup, c'est, ceux qui adoptent ça fassent preuve de pragmatisme en fait. Et là, on arrive. À la fameuse phase critique, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, donc on a fait tout ça, à partir de maintenant, tout ce qui va venir après, c'est des trucs qui sont intéressants, et moi qui suis d'un naturel enthousiaste, d'ailleurs souvent, dès qu'il y a un nouveau truc, je vais dire « Ah, super !» et tout, et puis ça va être la vérité absolue pendant 15 jours, puis après, je vais dire « Ah non, tu déconnes, moi, il est ouf, et relis, essaye des trucs, voir ce que ça donne, parle-en avec tes collègues. Mais là, il y a quand même la phase de. Il y a toujours un petit peu de doute sur ce qui va suivre, mais après, c'est super intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que. Et si en fait. Alors, c'est agile au sens large. Hein. Voilà, alors déjà, on est loin de la tech. Hein. Tout à l'heure, on était dans les software craftsmanship. Là, on a management 3.0, holacracy, business agility. Donc essentiellement des approches agiles, mais qui s'étendent bien au-delà de la tech, mais en tout autre, c'est de l'orga. Et donc très axé mindset, mais quand même, j'ai pris ces deux-là exprès pour troller, c'est les deux plus marketés aussi. C'est-à-dire que là, il y a quand même, pareil, il y a des consultants qui font de l'argent, c'est bien. Et c'est toujours bien de promouvoir des pratiques ou des schémas d'organes qui soient basés sur plus de bienveillance, plus des hiérarchies, moins de hiérarchie et avec des notions d'équipe, etc. Donc c'est très encourageant, mais voilà, là on n'est plus du tout dans la tech. Et si on va encore un petit peu plus loin, dédicace. Hein. Là c'est des, je sais même pas comment on peut appeler ça, mais c'est des approches, on va dire. Donc c'est plus, la plupart c'est plus pour du coaching. Donc ça c'est Agile Fluency, Art of Agile, Agnostic Agile, Modern Agile, Corporate Rebels, que j'ai découvert récemment et dont on a la membre de la communauté Slack, membre francophone de la communauté Slack la plus active ici, Open Space Agility. Donc là on voit tout un tas d'approches arriver et en fait là qui sont là encore assez holistiques, il y a du management, il y a aussi du delivery, on prend vraiment tout en compte. Et là, on est vraiment dans la démarche de changer les hommes, en fait. Et ça, c'est super important parce que, en fait, si on adoptait tout ou partie de ces approches, c'est déjà accepté que. Bah que l'agile, c'est pas une recette miracle, que c'est un chemin de longue haleine, et ça va être long, douloureux pour certains, mais que face à ça, bah, y a des outils, y a des pratiques qui rendent cette transformation possible et très souvent positive. Alors, du coup, quand on voit
quand on voit les dernières références, ça suppose pas mal de shifts. Et le premier shift, quand on là, on va se concentrer vraiment sur les rôles agiles, en fait. Au début, j'ai marqué les rôles agiles s'étendent. Et en fait, c'est pas qu'ils s'étendent, c'est qu'ils se rapprochent des idées d'origine, en fait. Et en fait, quand on a déployé ces frameworks, quand on a essayé de scaler Scrum, etc., on a vu, je vais tous les mettre d'un coup, voilà. On a vu pas mal de rôles bidons apparaître, des proxy PO, des PO techniques, des PO fonctionnels. On est PO, on n'est pas PO, quoi. Il n'y a pas de... On n'est pas demi-PO, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'était quand même assez fréquent, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il y a 4-5 ans, on en voyait quand même pas mal. Hein. Et donc ça, c'est appelé à disparaître, donc c'est quand même un signe de maturité des boîtes. Mais, et surtout, les rôles agiles de l'équipe, alors j'ai pris les rôles Scrum, hein, mais en fait, les équipes, par l'adoption des pratiques qu'on a vues tout à l'heure, déjà, il faut prendre preuve de plus d'ownership, et surtout, elles interviennent de plus en plus tôt sur leur sujet. C'est-à-dire que, alors là, c'est vraiment basé aussi sur la pratique un peu perso chez nous, chez M6, là, pour... On essaye tous de faire intervenir les équipes de développement très très tôt dans le cadrage, de les faire interagir avec le business, avec les équipes métiers, etc., pour déjà que tout le monde ait une compréhension partagée des sujets, etc., etc. Donc ça, nous on le fait, mais on n'est pas les seuls. Quand je parle à d'autres collègues ailleurs ou sur des événements, c'est un mouvement de fond, c'est une tendance qui je pense va perdurer. Les PO interviennent au-delà du delivery. On a souvent cantonné le PO à une sorte de sous-product manager. Alors le product manager, lui, il est expert dans tout. L'idéation du début, la phase de discovery, le delivery, le gross, peut rajouter la release, il connaît tout le mec. Et le PO, lui, c'est que le delivery. Donc ça, c'est pas un PO, en fait, c'est un delivery manager. On veut lui donner un titre un peu... Mais le rôle initial du PO, en fait, il est très proche du... En fait, le product manager, c'est un métier, et PO, c'est un rôle agile, en fait. Et le boulot du PO, Akima, t'es PO, Morgane, t'es PO, Nico, vous exercez... Il n'y en a aucun de vous trois qui exerce de la même façon. Et en fait, parce que vos équipes, vos environnements, ils sont tous différents. Et en fait, on passe notre vie à combler des trous. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien, les PO, vous faites un diagramme de Venn avec trois cercles, la tech, la partie user-centric et le business. Le PO, il est au milieu, il va interagir avec tout un tas de gens. Et partout où il y a des trous dans la raquette, bah c'est lui en fait qui comble ces trous dans la raquette. Donc... c'est un rôle qui est quand même costaud et alors, je suis PO, je suis pas objectif, hein. En fait les PO vont sauver le monde, en fait. On l'a peut-être pas dit, mais le réchauffement climatique, tout ça, heureusement qu'il y a des PO, parce que donc voilà, donc les PO ont un rôle, en fait, qui devient de plus en plus costaud. Alors c'est vrai pour les PO, c'est aussi vrai pour les Scrum Masters. Le Scrum Master, on a le meilleur d'entre eux avec nous. On attendait d'eux qu'ils soient un peu les gardiens du temple sur le respect des pratiques agiles, l'animation des rituels, lever les impédiments, machin. Voilà. C'est un peu plus compliqué que ça. Maintenant, les Scrum Masters, je ne sais même pas pourquoi on continue à les appeler Scrum Masters, mais c'est... Au pire, c'est des mini-coachs. Au mieux, c'est des bons coachs. Mais en fait, ils vont bien au-delà de ça. Ils font beaucoup d'accompagnement. Ils œuvrent quand ils ont plusieurs équipes. Ils vont veiller à l'alignement des bonnes pratiques entre les équipes. C'est un boulot très dur. Enfin, c'est crucial, quoi, pour le bonheur des équipes et la qualité du délivrage.
Donc plus de rôle un peu bullshit, plus de proxy PO, plus de mini Scrum Master qui sont en fait d'anciens chefs de projet technique et qui font un autre truc. C'est fini, enfin c'est fini. J'espère que ça pour de vrai fini. Mais en tout cas, le rôle s'étend. Le deuxième shift, c'est la valeur. Toutes les pratiques qu'on a vues là, qui émergent, elles sont obsédées par la valeur. Et en fait, la raison d'être d'un PO, mais aussi d'un business owner, c'est de délivrer de la valeur. Et plutôt que de délivrer des livrables. Et c'est ce qu'on faisait un peu avant, quoi. Donc ça, c'est un peu le dénominateur commun de toutes ces approches. Et comment on fait pour être axé sur la valeur, comment on la mesure, etc. Bah déjà, il y a la data, donc là encore, je suis pas objectif, je bosse dedans, mais bien mesurer des business value avec des frameworks qui existent, comme RISE, c'est des approches qui se généralisent. Bien évaluer une complexité, il y a des méthodes qui existent, Cinefin, NoEstimate, ce qui, comme son nom n'indique pas, est une autre façon d'estimer. Enfin, c'est estimer la difficulté d'une feature, mais en utilisant autre chose que le doigt mouillé. C'est pas mal. Et NoProject, alors ça, c'est une démarche que j'aime beaucoup et qui pourrait faire l'objet d'un prochain meet-up, si vous n'avez pas été dégoûté par celui-ci. Et qui est vraiment une démarche qui n'est pas super nouvelle, c'est sorti en 2014-2015, mais qui commence vraiment à. Dont on reparle là vraiment beaucoup. Et. Qui est vraiment très près des valeurs et des principes agiles. Donc, value first, et en plus, on a des outils pour ça, donc c'est génial. Chiffre numéro 3, on fait un hard reset sur les cerveaux, et on pense complètement différemment. Pendant longtemps, la raison d'être d'une entreprise, c'était le profit. Il faut essayer de sortir de ça et plus s'orienter vers les valeurs. En termes d'orga, pour faire ça, avant on avait des modèles organisationnels basés, hérités de l'industrie, très hiérarchiques. Bah, maintenant, c'est des équipes d'équipes connectées, des équipes interconnectées. Qui bossent ensemble, qui collaborent et qui, pour pouvoir collaborer, ont besoin de manières de procéder adaptées. On passe de du command and control à un leadership, une position plus de servant leader, de manager facilitateur, on va dire. Le côté plan and predict, donc il fallait que tout soit prédictif, où chaque truc qu'on faisait, c'est un diagramme de Gantt affiché au mur. Et on rencontre encore un petit peu de temps en temps, des fois. Vous connaissez ces trucs. En fait, on veut lire l'avenir. Il y a des mecs, aujourd'hui, qui vous disent on va faire ce projet-là, qui va commencer telle date, qui va finir là. Et on ne sait pas du tout ce qu'on va faire entre. Mais par contre, je peux dire que ça va se passer comme ça. Enfin, comment on a été assez fou pour croire à Starnac? Enfin, c'est impossible. Donc ça, on en sort. On a mis du temps à comprendre, mais on a compris. Il fallait plus le faire. Et donc, on revient au principe agile de base, de manière d'itération issue d'expérimentation. On s'adapte. Et ça, pour nous Français, c'est spécialement difficile parce que nous, ce qu'on nous a appris à l'école, c'est pas ça. Déjà, ça, c'est expérimenter et s'adapter. Expérimenter, c'est-à-dire prendre le risque de se rater. Et donc, rater un test, rater une expérience, nous, les Français, on vit mal. Parce qu'on n'a pas le même rapport à l'échec que nos petits copains américains. Donc ça, c'est spécialement dur pour nous.
Et autre chose, c'est qu'on nous a appris à l'école qu'il fallait être tout le temps proactif. Ben, soit proactif, soit prends ta boule de cristal et sais à l'avance comment il faut faire. Et on y croit, ça ? Non ? C'est bien de pouvoir l'être de temps en temps, mais en fait, dans la vraie vie, on est surtout réactif. Et celui qui gagne, c'est celui qui s'adapte, qui réagit le plus vite possible à son environnement. Les règles et le contrôle versus la liberté et la confiance. Ça peut sembler bisounours pour certains d'entre vous. Mais aujourd'hui, je retombe dedans, je vais reparler de Spotify. Mais on peut parler d'autres boîtes. Hein. Quand elles mettent en place des modèles organisationnels basés sur des valeurs, alors c'est peut-être pas exactement celle-ci, mais c'est proche de ça en tout cas, elles le font pas parce que c'est la mode, elles le font pas parce que c'est des bisounours, elles le font pas parce que c'est cool d'avoir un baby-foot dans l'entrée, elles le font parce que tout simplement les gens bossent mieux et délivrent plus de valeur. Et même si Spotify ne gagne pas d'argent aujourd'hui, en termes de valorisation, c'est une boîte qui a de la valeur, quoi. Donc c'est pas juste une petite lubie. L'autorité centralisée versus un pouvoir distribué, la culture du secret versus la transparence, et à la fin les fiches de poste. Donc la fiche de poste, c'est un peu comme l'estimation d'une US, quoi. À partir du moment où on l'a écrit, c'est obsolète. C'est, les gens, ils arrivent dans un environnement, ils ont des envies, ils ont des facilités sur des sujets, des sortes d'inconfort sur d'autres, et ça bouge. Et en fait, c'est l'environnement, les interactions et tout ça, les périmètres se dessinent un petit peu tout seul. En termes de temps, là, je suis comment, là ? Justement. Ouais, je me manie. Ok. C'est la dernière partie. Toutes ces pratiques qu'on a vues, tous ces frameworks, toutes ces stations de métro sur ce fameux plan, on ne peut pas tout piger. On ne peut pas tout connaître dans le détail, etc. Mais par contre, si on détricote, si on fait un petit peu de reverse engineering, on a des frameworks qui sont composés de plein de pratiques. Alors là-dedans, vous avez du software craftsmanship, du TDD, du machin. Mais il y a aussi des rétrospectives, des démos. Donc il y a plein de choses. Et toutes ces pratiques, autant que possible, correspondent aux 12 principes agiles. Alors, je ne vous fais pas l'injure de les repasser là, parce que vous avez tous soif, moi le premier. Mais... les 12 principes agiles, c'est un peu le dénominateur commun de toutes ces pratiques. Et ces 12 principes sont eux-mêmes la déclinaison des 4 valeurs. Et au bout du bout, il y a le mindset. Alors le mindset agile, c'est quoi ? Cette fille, elle est trop moche, on va... Quand il y a ça, c'est que c'est la dernière. Hein. À droite, vous avez le mec qui est agile, quoi. Mais c'est agile plus. Le mec qui... Enfin, les filles, si vous le voyez, vous tombez amoureuse. Et les mecs, vous voulez l'emmener au bar, boire un verre avec lui. Et là, vous avez Jean-Mi de la compta. Sans faire injure au comptable, mais... le mec, il est carré. On en connaît, hein. Le mec, il est... Voilà, c'est... Il rigole quand il se pense le doigt dans la portière. Et lui, il vit dans un monde où tout est fixe, tout est figé. Entre le moment où il est sorti de l'école et sa retraite, il ne va pas se passer grand-chose parce qu'il a appris à faire un truc et il va faire ça toute sa vie. Alors, je caricature à mort, hein, mais vous allez reconnaître des gens, c'est sûr. Et pour lui, il croit beaucoup en l'inné. C'est-à-dire que l'intelligence, la personnalité, c'est à la naissance, quoi. C'est comme ça.
Et donc ça veut dire que sans doute ce mec-là, il est né déjà chiant en fait. Et lui, ça, son angoisse, c'est l'échec. On l'a abordé tout à l'heure. Et donc lui, il va tout le temps se mettre dans des situations où il ne va pas s'exposer à l'échec. Et il faudra toujours qu'il ait l'air malin. Il a l'air de maîtriser son truc. Donc il est très dans la posture. Il va évidemment éviter soigneusement tous les défis, tous les challenges, tout ce qui est un peu casse-gueule. Il va rester dans sa zone de confort et jamais sortir de ça, à tel point que pour beaucoup d'entre eux, cette zone de confort, elle se rétrécit au fur et à mesure des années, parce que le monde change, parce qu'on passe de Windows 98 à... Pardon, je connais pas Windows. Et pour lui, l'échec, c'est l'expression, c'est la manifestation d'un manque de talent. Donc voilà. Évidemment, quand vous lui faites un retour, il le prend personnellement, il se sent attaqué, et donc lui, il ne change pas, il changera jamais, parce que les choses sont comme ça. Par contre, notre pote, notre idole, là à droite, lui, c'est tout l'inverse. Alors lui, ça change tout le temps. Lui, c'est l'intelligence, sa personnalité et tout, c'est en perpétuelle évolution. Et son potentiel, en fait, il n'a pas de limite, parce que personne ne peut le connaître ou le prévoir, puisque ça va être le fruit de ses expériences au fur et à mesure des années. Donc lui, ce qu'il aime, c'est apprendre des trucs nouveaux, même au point de se mettre en danger parfois, parce que des fois, il va vouloir faire des trucs qu'il ne sait pas faire. Bon, c'est tous ici que parfois ça marche, hein, on est quand même pas mal d'imposteurs, mais il y a des risques. Et donc du coup, il adore ça, lui, les challenges, les défis, il n'a pas peur de l'échec, parce qu'évidemment, pour lui, c'est l'occasion d'apprendre. Et donc lui, tout feedback, en fait, c'est l'occasion de s'enrichir. Et voilà, quand il va discuter avec vous, il va beaucoup vous écouter, il va prendre plein de trucs, il va sans doute vous donner beaucoup aussi. Et donc ça, c'est le mec cool, c'est le mec agile. J'espère que je l'ai bien vendu, parce que je n'ai pas d'autres conclusions.